Donc, je suis kinésithérapeute à Meudon, dans les Hauts-de-Seine. J'exerce dans mon cabinet et à domicile. Et en plus, j'exerce en libéral à la clinique de Meudon-la-Forêt, dans le service de chirurgie orthopédique et oncologie et gériatrie. J'ai décidé de m'engager au SNMKR pour défendre la profession et retrouver une communauté qui partageait les mêmes valeurs que nous. Les principaux enjeux auxquels la profession est confrontée en Île-de-France, c'est en fait le modèle économique des cabinets libéraux en Île-de-France. Soit il faut multiplier les actes et on est en limite burn-out, soit on fait des dépassements d'honoraires et on a la sécu qui peut nous tacler. Donc c'est aujourd'hui la problématique qui nous met dans une situation difficile. J'ai voulu m'engager dans les élections ERPS pour être l'interlocuteur des pouvoirs publics et pouvoir montrer la vraie vie des kinésithérapeutes en Île-de-France. Les projets qui me tiennent à cœur, c'est pouvoir utiliser à l'URPS l'analyse des données de santé. En fait, la Sécurité sociale et le ministère nous donnent des chiffres sur la profession. L'URPS a la possibilité d'extraire ces chiffres, et c'est ce que je veux faire. Et donc, pour pouvoir être le porte-parole des chiffres de la kinésithérapie et pas les subir par le ministère ou la Sécurité sociale.